Genèse 16, 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Amen. Amen. Dieu nous dit, cette bénédiction-là que nous nous protégeons, ce n'est pas la vraie bénédiction venant de l'Éternel. Amen. Amen. Cette bénédiction est sauvage. Cette bénédiction est sauvage. Cherchons-nous par tous les moyens d'étouffer, de chasser cette bénédiction qui nous représente Ismaël. Même si il était la semence d'Abraham, mais le cœur de notre Dieu était à 100% chez Isaac. Amen. Je pensais beaucoup plus à Isaac, pas à Ismaël. Pas ta bénédiction là, ça vient pas de Dieu. L'argent que tu... Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Amen. Si nous sommes vraiment de bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, faisons ce qui est bien devant ses yeux. Amen. Parce qu'on est ses épouses. Depuis que tu t'es marié, le malheur sur le malheur. Amen. Depuis que tu es raconté avec Agar, Agar t'a donné Ismaël. Il y a toujours des malheurs sur le malheur. Sens-toi très bien, ma bien-aimée. Mon bien-aimé. Cherche-toi la volonté de Dieu. Tu t'es marié avec un sorcier. Tu t'es marié avec une sorcière. Amen. Amen. Tu n'as jamais eu du temps à identifier ton mari à toi, ta femme à toi. Tu n'as jamais eu du temps à identifier ton premier fils. Toi, tu crois que c'est une bénédiction, c'est la bénédiction venant de l'Éternel. Or que Isaac, un homme sauvage, sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Au nom de Jésus, cette bénédiction sera détruite, écrasée, avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Agar sera détruit et sera sous nos pieds. C'est une condition que nous sommes prudents ou prudentes. Amen. Amen. Il y a des mains, il y a des femmes sorcières. Ils sont là juste pour envoûter, pour t'envoûter. Il y a d'autres maris, d'autres femmes. Ils ont communiqué leur intelligence diabolique, satanique. Ils ont donné leur intelligence à leurs fils. Et surtout la plupart des aînés qui sont vraiment des diables, hein? Sont vraiment des têtis. Amen. Amen. Mais soyons têtis comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un têtis positif. Amen. Amen. D'être têtis, une têtis négatif, c'est scandale. Un têtis positif est là juste pour défendre d'autres personnes. Amen. Si notre Seigneur, si tu n'étais pas têtu positif, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on était tous des morts, mais avec les têtus positifs qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous délivrer
dans la main de celui qui était interdit négatif. Amen. Amen. Il y a des premiers-nés qui sont des tétis négatifs. Amen. Amen. Alors, si nous cherchons vraiment la face de Dieu, en profondeur, Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Pourquoi ton fils là, il est devenu un tétis négatif? Parfois, il était communiqué par son père. Parfois, elle était communiquée par sa mère. Je dis bien, il y a des maris Agar, il y a des femmes Agar. Il y a des fils Ismaël, il y a des filles Ismaël. Il y a des bénédictions Ismaël. Amen. Amen. Cette bénédiction-là, ce n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Écrase cette bénédiction-là. Ne faut plus avoir de soucis avec cette bénédiction. D'où vient cet argent? D'où vient cet appartement que tu as aujourd'hui? Ça vient de Dieu, ça vient de l'Éternel. D'où tu as pris ton fils là? Le monde est dirigé sous la puissance du diable. Le monde est dirigé sous la puissance du diable. Amen. Amen. Le fils que toi tu as, la fille que toi tu as, ton premier fils, ton premier aîné, comment tu l'avais pris? Comment tu avais eu? Par quelle semence? C'était la semence d'Abraham ou la semence de d'autres personnes? Tu trouves que ton mari ne produit rien, tu vas dans l'hôpital pour chercher d'autres semences. On appelle ça comment? In vitro, c'est in vitro. C'est diabolique. Amen. C'est que je couche avec une... Quoi? In vitro. Voyez même le mot bizarre. C'est diabolique. Isaac, ma bien-aimée. Ce n'est pas Isaac. Toi qui pries. Le fils que tu as. La fille que tu as. Tu n'as plus par quel moyen? In vitro, c'est in vitro. Je n'arrive même pas à prononcer le mot diabolique. Écrase in vitro là ce que tu as. Que tu gardes dans ton sein là, ce n'est pas ton fils, il vient pas de l'Éternel, il est là pour te détruire. Écoute-moi très bien, il est là pour te détruire. Amen. À la paix, tu vas à l'église, Seigneur, merci de m'avoir béni, de m'avoir donné l'enfant, mais c'est diabolique, ce n'est pas ça, ça vient pas de Dieu. In vitro, c'est in vitro. Toi qui as une vitre chez toi, cherche-toi par tous les moyens de l'écraser. Il est Isaac, il est Ismaël, pardon. Il n'est pas Isaac, il est Ismaël. Il est Agar, elle est Agar. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Une vitre, regarde-moi ça, une vitre. Le monde est déjà sous la puissance du diable. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Sois prudent. In vitro, ça c'est qui même comment? Ça c'est qui comment c'est Guette? Toi qui as fait la médecine, tu vois? Elle a même des doutes pour écrire in vitro. C'est le mot diabolique. La semence d'une autre personne, tu laisses ton mari au lit. Toi tu as cherché d'autres semences. Mais c'est diabolique, tu es folle quoi? Excusez-moi pour les termes. Oh, nous, nous,